Salut à tous, aujourd'hui deuxième vidéo sur Mystea. Cette fois-ci je vais vous présenter les phases de jeu. On va voir ensemble une activation, on va un petit peu voir aussi l'installation du jeu. Vous allez voir, c'est découpé en petits chapitres. N'oubliez pas, sous la vidéo en description, vous avez des liens qui vous permettent de commander le jeu. Et puis en cliquant sur ce lien, ça ne vous coûte rien, mais par contre moi ça permet de soutenir ma page. Et puis en soutenant ma page, c'est une meilleure technique, c'est ma capacité à moi à me déplacer plus sur des festivals. Et puis aussi, c'est par exemple un bon moyen de m'aider à vous offrir des choses et à vous les envoyer au plus vite à la maison. Alors n'hésitez pas à utiliser ces liens en vidéo. En attendant, si elle vous a plu, n'hésitez pas également à lâcher un petit pouce et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti pour Mystea. Allez, on va commencer cette présentation du jeu, puisque j'avais déjà fait une vidéo Unbox. Et on va débuter avec un premier petit chapitre qui sera donc la mise en place. La mise en place du jeu. Première chose à faire, tout simplement, déployer les deux plateaux. Le plateau principal, sur lequel, vous allez voir, il va y avoir les figurines, les îles. C'est ici que les combats vont se placer. C'est ici que certains événements vont se dérouler, mais pas tous. Plutôt, c'est ici qu'on va venir piocher des cartes. Et puis ensuite, ce second plateau là, j'avais déjà mis ça, c'est pas bien. Ce second plateau qui lui est plus ce que j'appellerais la timeline du jeu. C'est ici que va se dérouler également certains événements qui vont conditionner la victoire, et puis surtout qui vont donner vraiment le scénario du round va plutôt se dérouler ici, alors que les événements vont plutôt se dérouler ici. Alors la première chose à faire dans le jeu, c'est très simple, c'est de positionner, vous savez, ces fameuses petites îles dont je vous avais déjà parlé. Et il suffit tout simplement de les mélanger comme un paquet de cartes. Et puis une fois que c'est mélangé, on les positionne sur le plateau de façon aléatoire. On peut même décider de ne pas faire dans le sens des aiguilles d'une montre, vous voyez. Et puis de vraiment faire les choses. Alors vous jouez avec des potes, donc vous n'allez pas vous prendre la tête sur cette étape-là. Alors ensuite, ce qu'on va faire en deuxième étape, c'est une étape qui va plus se passer ici, c'est définir quels seront les monstres qui seront présents lors de la partie. Il faut savoir que l'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 monstres. On a 7 monstres qui sont à disposition. Mais au cours de cette partie, il n'y en a que 3 qui seront positionnés ici, là, sur le plateau, qui vont interagir avec vous. Parce qu'en fait, une partie de Mystea se déroule en 3 grands rounds que l'on appelle des airs. Donc très simplement, vous allez prendre vos cartes monstres, vous allez brasser votre main comme ça de votre deck, et puis vous allez en sélectionner 3, 1, 2 et 3. Et puis vous allez les positionner en air 1, 2 et 3. Donc le premier, ce sera celui-ci. Ensuite on aura Kairula. Et puis en R3, on aura Utkoro. Voilà, vous avez positionné vos 3 monstres sur le plateau. Alors ensuite, ce que l'on va définir au niveau de la mise en place, ce sont ici les terrains. Donc les terrains, je vous rappelle que c'est ce qui représente les terrains qui sont ici. Il y a les terrains de rivière, les terrains de forêt, les terrains de cristaux, les terrains de brume et les terrains de montagne. Donc ils sont représentés ici par les cartes que j'ai en main, et en plus vous en avez une en plus qui est en fait le volcan, et vous allez voir qu'il a une interaction bien définie. Donc là aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger sa main, voilà, très rapidement, et puis on va dans un premier temps venir déposer les choses face cachée comme ça, parce que en fait ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure des tours, des activations des joueurs, pas des airs, on va venir poser des cartes ici sur le plateau, et cela va définir la valeur du terrain. C'est-à-dire que le premier terrain qui sera positionné ici, il vaudra 2 en point de victoire, alors que le deuxième qui sera présenté en vaudra 3. Donc c'est très important.
Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les aires que je positionne là, elles vont ensuite, à chaque activation de joueur, venir se dérouler ici, comme une sorte de river, en fait. Et vous voyez, au sommet, là, il y a une valeur. Et donc, ça va définir, en fait, la valeur de mon terrain. C'est-à-dire que si ici, je découvre une rivière, pour cette aire-là, la rivière, elle vaudra 2 points de victoire. Et puis, si ensuite, la carte suivante que je découvre, c'est du cristal, le cristal, cette fois-ci, il vaudra 3 en capacité de victoire. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et puis, vous allez voir, parce qu'il y a une façon dont on découvre les cartes qui fait que, quand on découvre la première, on voit déjà, en fait, quelle sera la suivante. On ne voit pas la troisième carte, mais on a un visu sur les deux prochaines cartes. Et donc ça, c'est très, très intéressant parce que ça permet d'anticiper la valeur des terrains. C'est un peu un jeu de valeur foncière, en fait. Et puis, forcément, ça va fortement conditionner votre placement sur le plateau, en fait. Parce que ici, si vous êtes plutôt positionné sur les cristaux et puis que la carte des cristaux est sortie en première, évidemment, ça vaut que 2 en point de victoire. Alors que si vous êtes positionné sur des rivières et que les rivières sont sorties, je dis en troisième ou quatrième, voire en cinquième, ça peut valoir jusqu'à 6 points de victoire. Donc ça peut être plus intéressant d'être sur une zone de rivière pour cette aire-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre chaque aire, on rebrasse en fait cette valeur-là. Et donc la valeur foncière d'un terrain n'est pas forcément la même d'une aire à une autre. Et donc, en fait, ce qui fait que ça pousse beaucoup les joueurs à ne pas camper sur des zones bien définies et à pousser en fait les joueurs qui auraient gagné une zone ou une île bien particulière à partir à la conquête d'une autre. Donc ça, je trouve que c'est une très 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 bonne idée. On y reviendra pendant la partie. Donc j'ai posé mes cartes pour ensuite définir ma valeur entre guillemets foncière de mon terrain. On va maintenant s'intéresser aux cartes de rencontre. Donc les cartes de rencontre, ce sont des cartes qui ressemblent à ça en fait, voilà, et qui vont vous donner des bonus. Donc ces rencontres, il faut les payer, hein. Et puis en fonction de ce que vous payez, ensuite vous retournez. Et puis, vous choisissez en fait un des deux effets de la carte et ça vous permet en fait de gagner une espèce de bonus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cartes rencontres. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra pendant le jeu. Et donc, ces cartes rencontres, je vais en constituer une pile que, bien entendu, je vais essayer de mélanger au mieux et je vais aller la positionner ici. Ensuite, on va s'occuper des cartes d'harmonisation. On reviendra tout à l'heure sur la nature des cartes d'harmonisation. Ce sont des cartes qui viennent se positionner ici et en fait qui sont soit face jour, soit face nuit. Donc ce que vous avez tout à fait le droit de faire, c'est de mélanger votre main pour qu'il y ait à la fois du jour et de la nuit, ou que du jour ou que de la nuit. Ça, c'est à vous de vous mettre d'accord avec vos adversaires. Et puis, en fonction de la décision que vous prenez, hein, du jour ou de la nuit, l'effet, il n'est pas le même. Et puis ensuite, vous allez positionner chaque carte sur son emplacement, puisque en bas, à gauche de la carte, vous avez un logo. Et puis, sur ce même emplacement, vous avez également un logo. Donc, il faut positionner les cartes au même endroit. Donc, en fait, ce sont des cartes que vous allez pouvoir venir piocher comme ça, que vous allez pouvoir venir prendre sous certaines conditions. Et puis, bien entendu, quand vous aurez pris une de ces cartes pour bénéficier de son pouvoir, de sa compétence, elle ne sera plus disponible pour les autres joueurs. Donc voilà, vous les positionnez comme ça. Ensuite vient la phase des aires. Donc les aires, c'est tout simplement des paquets de cartes d'amélioration. Quand j'ai fait l'unbox du jeu, je vous ai parlé des cartes d'amélioration qui vous permettaient soit d'améliorer vos troupes, soit d'améliorer votre plateau de jeu, soit d'avoir des compétences, pour ce qui est des vertes, des compétences constantes, ou alors des rouges qui ont des effets quasi immédiats. Donc vous mélangez ces paquets-là. Vous voyez ici, là, il y a un petit numéro, hein, ça c'est le numéro 1, donc c'est le paquet de l'aire de la première aire. Et une fois qu'il est mélangé, eh bien vous venez le positionner sur la zone de la première aire. Vous faites la même chose avec le deuxième paquet pour la deuxième aire et la même chose avec le troisième paquet pour l'aire numéro 3. Voilà. Alors chaque joueur va commencer en fait
son jeu avec des cartes comme ça d'amélioration dans sa main. Donc ce qu'on vous demande de faire, c'est des paquets par couleur, hein, un paquet de cartes rouges, un paquet de cartes jaunes, un paquet de cartes vertes et un paquet de cartes bleues. Ensuite, ces paquets, ben, vous allez les mélanger. Et alors, il y a deux façons de faire normalement. C'est que soit vous permettez, vous faites un système de draft qui est décrit dans le livre et qui vous permet de choisir votre carte, soit tout simplement, eh ben, vous les distribuez comme ça individuellement. Et donc, il faut que chaque joueur commence avec une carte de chaque couleur dans sa main. Donc, si vous avez trois joueurs, ben, vous faites trois paquets de cartes rouges. Le reste, là, ça rentre dans le magasin, c'est-à-dire que vous défaussez. Alors, on les reconnaît en fait ces cartes parce que ici, là, dans le coin, vous voyez, là, juste ici, il n'y a pas en fait de numéro, il y a juste une petite étoile et donc c'est avec ces cartes-là que l'on fait. Donc, ce n'est pas des cartes qui servent pour faire des airs, c'est des cartes qui servent pour en fait lancer le jeu et c'est en fait votre première main d'amélioration. Donc, là, j'ai fait mon premier paquet de rouge, je vais faire pareil, un paquet de jaune, le reste, je défausse. Ensuite, un paquet de vert. Je fais comme si j'avais trois joueurs. Et puis enfin, un paquet de bleu. Alors, il est expliqué dans d'autres vidéos, hein. Je vous laisse vous y référer, que vous pouvez faire une draft. Mais bon, pour une première partie, peut-être que l'aléatoire peut très bien aller. Vous vous retrouvez avec une main, avec donc vos trois cartes. Vous gardez ça de votre côté, et bien entendu, vous ne les montrez pas aux autres joueurs. Alors ensuite, il y a les héros que vous allez jouer. Et très simplement, ce qu'on vous conseille de faire, ben, c'est tout simplement de mélanger le paquet de cartes des héros et de le distribuer au hasard. Alors là, c'est pareil, c'est à appréciation, hein. C'est soit vous le faites au hasard, soit chacun d'un commun accord choisit son héros. Mais voilà, il vous conseille, dans les règles, j'ai été très surpris, on ne choisit pas son héros, en fait, il est normalement distribué au hasard. Donc je trouve que c'est assez important pour être signalé. Voilà, donc là, mes trois équipes sont maintenant prêtes. Et l'on va à présent sortir les plateaux des joueurs. Donc le placement d'un plateau de jeu se fait comme ça. Vous allez venir poser votre plateau ici. Ici, vous avez votre héros, mais il va pas rester là en fait. Et puis là, juste à côté, vous allez mettre la carte de votre héros. Donc ensuite, vous avez tout un ensemble de petits jetons qu'il faut mettre en place. Donc vous allez avoir les jetons d'énergie et les jetons d'expérience que vous allez venir poser ici. Voilà, juste là. Donc en fait, au fur et à mesure que vous allez acquérir de l'expérience et de l'énergie, ces petits jetons, ils vont se déplacer et définiront en fait votre niveau d'énergie que vous pourrez consommer pour faire des actions et pour payer certaines actions, voire certaines cartes, voire certaines conditions de cartes. Et puis également, eh ben, vos jetons d'expérience qui seront de plus en plus élevés et qui vous permettront de faire également d'avoir accès à différentes choses en fonction de l'expérience que vous aurez acquise, puisqu'il faut un certain degré d'expérience pour par exemple faire des rencontres. Vous avez donc le jeton de rencontre qu'on verra qui est très important et qui va se positionner lui plutôt sur le plateau qui est là-bas, qu'on va mettre également de côté. Et puis ça, ici, bah, c'est votre jeton qui va comptabiliser vos points de victoire, et donc qui va faire le tour du plateau comme ça, là, hein, quand on sera à 69, 70, 71. Et bien celui-là, en l'occurrence, bah, vous allez le mettre là-bas tout au bout, c'est-à-dire au début du plateau. Donc bien sûr, hein, je fais de même pour les autres joueurs, hein, c'est-à-dire que les autres joueurs, bah, les autres cubes d'expérience vont venir ici. Ça va permettre ensuite de se faire un peu la course. Ici, on va utiliser ensuite les jetons d'activation. Donc, vous voyez, il y a joueur 1, joueur 2 et joueur 3. Donc, ces jetons, vous allez les mélanger. Et puis ensuite, une fois que vous les avez mélangés, eh bien, vous allez les distribuer à chaque joueur. Et chaque joueur, en fait, connaîtra son degré d'activation dans la partie. Voilà. Donc là, en l'occurrence, moi, je me retrouve avec mon personnage Hanout à être le joueur 1. Alors, ce qui est très important, c'est que le joueur 1, il va commencer en fait son activation avec un certain degré d'énergie.
Alors que le joueur 2, ben, vu qu'il joue en deuxième, il est un petit peu moins avantagé que le premier, donc il a un petit peu plus d'énergie. Et puis ben, le joueur 3, qui va jouer lui en dernier, eh ben, il va avoir encore un petit peu plus d'énergie, il va en avoir 5. C'est un petit peu pour rééquilibrer en fait le fait que l'activation, le premier qui joue, il peut être avantagé, mais on rééquilibre avec cette notion d'énergie. Donc ça, c'est très intéressant. Il faut savoir en fait que ce brassage-là, de dire qui c'est qui joue en premier, ça se refait à chaque début d'air. Donc de toute façon, c'est pas fixe pendant toute la partie. Et donc la dernière étape de l'installation, c'est de venir positionner vos héros sur les plateaux. Donc là, la décision, elle se fait dans l'ordre inverse de l'ordre d'activation. Donc en l'occurrence, c'est le joueur 3 qui commence le premier. Donc il va prendre son héros et il va venir le poser sur une île. Donc, par exemple, on va venir se poser ici dans le monde des brumes, d'accord, avec Saina. Et puis ensuite, CR2T1, il va venir se poser plutôt dans la forêt ici. Et puis ensuite, je vais venir poser Anout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je pourrais tout à fait venir me poser sur la même île que CR2T, mais je n'aurais pas le droit de me positionner dans la même section. C'est-à-dire que je ne pourrais pas venir en forêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se positionner un petit peu ailleurs. Puis comme lui, il aime bien les cristaux, je vais venir le mettre là, ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de prendre les pions de rencontre de chacun des joueurs, hein, qui sont des pions de la même couleur en fait que le joueur. Et on va venir également les poser sur une île, sur une autre île, une île qui n'est pas celle où il y a en fait le héros. Donc là aussi, on le fait dans l'ordre inverse, mais ça n'a pas d'importance parce que sur une même île, il peut y avoir deux pions différents, de deux joueurs différents. Donc c'est pas bien grave si jamais l'ordre dans lequel on n'est pas d'accord, je voulais me mettre là aussi, vous pouvez le faire, contrairement aux figurines. Donc on commence par Saina. Alors Saina a une île qui n'est pas la sienne, elle va venir se positionner ici. CR, lui, va venir se poser sur une île adjacente également, il va venir la poser donc ici. Et puis Anout, il pourrait aller, pour l'exemple, soit venir se positionner ici, même s'il y a déjà un personnage là, c'est pas du tout parce que ces îles-là étaient vides que j'avais le droit de poser le pion de rencontre, hein, je pourrais venir la poser ici. Soit je peux décider, pour l'exemple, de venir me superposer à ce qu'il y a là. Pour ne pas trop compliquer les choses, je vais venir me positionner ici. Voilà, c'est beaucoup plus lisible comme ça. Voilà, donc, premier chapitre est terminé. Vous avez fait la mise en place de votre jeu. Donc, en résumé, les choses sont très très simples. Ici, on a les terrains qui vont se découvrir. Là-haut, on a les cartes avec les airs. Vous allez voir qu'au moment où on va lancer l'air, le premier paquet va venir glisser ici et va commencer à se dérouler en river sur cette zone-là. Là-bas, on a les monstres. Vous allez voir également, ils vont basculer par ici à chaque activation d'air. Ici, on a les cartes de territoire qui vont permettre d'avoir des améliorations. Les îles sont posées, les pions de rencontre sont posés, les figurines ont été placées, chaque héros a été placé sur une île en n'étant pas sur le même terrain que son voisin. Là-bas, on a les cartes rencontres. Ici, on a les pions qui vont nous permettre de définir en fait les points qui sont gagnés pendant la partie. Et puis enfin, sur le plateau de jeu, on a notre carte de personnage, notre pion qui nous définit quelle est notre place dans le nombre d'activations, enfin dans l'ordre d'activation, les pions ici d'expérience et d'énergie, et puis également notre deck de cartes qu'on va venir positionner comme ça à côté. Et puis vous allez voir ce qu'on va pouvoir en faire. On va jouer principalement ici. Chaque joueur va avoir des actions bien définies sur sa plaquette. Et puis, la timeline, elle se passera plutôt sur la partie qui est là. Donc, on va débuter cette première ère. Et pour débuter cette première ère, il y a encore une petite phase d'installation. La première, c'est donc de prendre le premier paquet d'air au niveau des cartes et de venir en fait le positionner ici. Et puis, on va sortir les trois premières cartes du paquet et on va les positionner comme ça. Voilà. Et donc, elles vont être à disposition des joueurs. Et on le verra pendant l'activation. Les joueurs auront le droit de venir piocher des cartes. Voilà. Donc ça,
première chose à faire pour préparer le début de l'ère. Ce qu'il faut également faire, c'est prendre la carte du monstre qui est là, et puis ben, on va choisir le monstre en question, et ce monstre-là, eh ben, on va venir le placer sur une île. Mais pas n'importe laquelle. Ce qu'on va remarquer sur sa carte, c'est que juste en dessous de ses points de force, on a un petit logo comme ça. Et ce petit logo, en fait, il va nous dire sur quelle île on va aller poser ce monstre. Donc en fait, chaque île a également un petit logo qui est représenté ici, 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 là et là. Et donc, ben, je repère le logo du premier monstre et je place sa figurine au centre de l'île. Il faut savoir que lorsque la carte en question sera tirée, eh bien, le monstre passera à l'action et en l'occurrence ben, va se mettre à attaquer. Alors comment ça se passe? Eh bien, cette carte en fait, de monstre, je vais la prendre et je vais aller la mélanger dans ma pile qui est ici. Voilà, parti. Et puis ensuite, je vais venir poser le paquet de cartes face visible, comme ça. Vous voyez? Ça va montrer, en fait, la première valeur foncière, qui en l'occurrence la rivière. Et cette rivière, elle va donc eh ben, se trouver ici, au premier round. Donc on sait déjà que pour l'intégralité de cette aire que l'on va jouer, tous les terrains qui sont en rivière vont déjà, de base, vous rapporter 2 points de victoire. Donc, en gros, pour cette partie, les rivières, c'est ce qui sera, pour cette première aire, excusez-moi, les rivières, ce seront les terrains les moins intéressants. On voit déjà qu'ici, on a les cristaux, d'accord? Et donc, on sait que la troisième carte qui va être positionnée ici, lorsque ce sera au prochain joueur de jouer, cette carte, elle va venir basculer ici, voilà. Et donc, on sait que le terrain qui sera le prochain dévoilé, c'est le cristal, et que ça vaudra 3 points de victoire. Et surtout, eh ben, on verra, alors je remélangerai pour pas tricher, mais normalement, comme c'est positionné comme ça, on ne voit pas quelle est la valeur du quatrième. C'est-à-dire que là, on sait à 2 coups d'avance quelles sont les valeurs des terrains, mais le quatrième, ben, on ne le sait pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remélanger pour pas tricher, parce que c'est pas bien. Hop, voilà, hop, je masque. Et voilà. Et là, on ne sait pas quel sera le quatrième. Mais donc, en l'occurrence, à la prochaine activation, on va venir positionner les cristals en 3 ici, et on dévoilera quel sera le quatrième. Il faut savoir qu'une aire prend fin à partir du moment où j'ai dévoilé sur le plateau l'intégralité des terrains. C'est-à-dire que lorsque j'aurai sorti la carte eau, forêt, cristaux, brume et montagne, à partir de là, l'ère va se terminer. Alors, ce n'est pas forcément au bout de 5 tours que ça va se passer. Parce que, rappelez-vous, dans ce paquet de cartes, il y a une carte monstre et il y a une carte volcan. Et on verra à quoi il retourne si jamais ces cartes-là apparaissent. Ce que l'on va faire également, c'est chaque joueur va regarder son ordre d'activation. Et en fonction de son ordre d'activation, il va gagner un nombre significatif d'énergie. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, le premier joueur-là, il va gagner 3 d'énergie. Donc ces 3 d'énergie, eh ben, on va se les approprier. Et là, ça y est, on peut commencer à jouer. Alors, lors de mon tour, il y a plusieurs choses que j'ai le droit de faire. Déjà, il faut que je comprenne que j'ai le droit de faire 2 actions. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une action dite standard qui est obligatoire, c'est-à-dire que quel que soit le round, vous serez obligé de jouer, vous ne pouvez pas passer votre tour. Et puis, il y a également une action qu'on appelle une action spéciale et qui, elle, n'est pas obligatoire, elle est facultative. On va d'abord commencer par s'intéresser aux actions dites standards, qui sont les actions obligatoires. Ces actions standards, elles sont au nombre de 3. Soit je fais une action, on appelle ça agir, soit je fais un développé, soit je médite. Alors on va regarder ce qui se passe quand on décide d'agir. Alors, pour agir dans le jeu,
La plupart du temps, il s'agit de jouer ce qu'on appelle une carte de commandement. Donc là, sous vos yeux, j'ai déployé ma main. Hein. Bien sûr, je ne le fais pas pendant la partie, hein. Je la cache à mes joueurs, mais pour la présentation, j'ai déployé ma main. Et voilà la main que j'ai à ma disposition. Donc sur ces cartes, il y a plusieurs informations. Déjà, il y a la couleur. Rouge, jaune, vert ou bleu. Les cartes rouges, on les appelle les cartes tactiques. La plupart du temps, elles accordent des avantages, soit pour votre personnage, et puis ben, c'est plutôt pour aller lui taper dessus, ou avoir la possibilité de déplacer. Disons que les cartes rouges, c'est plus pour la figurine sur le plateau. Ensuite, vous avez les cartes dites objectifs. Ce sont les cartes jaunes. Elles accordent des points de gloire et des récompenses. D'accord ? Ensuite, vous avez les cartes vertes qui sont ici. Ce sont des cartes accessoires. La plupart du temps, ces cartes-là, elles vont se poser sur le plateau du joueur en fonction du logo. Vous voyez, on a un logo également en plus de la couleur. Et on va pouvoir venir poser cette carte ici. Elle va y rester tant qu'elle ne sera pas remplacée. Et son effet, du coup, va pouvoir être activé de façon permanente. Et puis enfin, on a les cartes d'amélioration qui, elles aussi, lorsqu'elles sont payées, vont venir se poser sur le plateau. C'est également le cas des cartes de gloire qui vont venir se positionner ici. Vous remarquerez également que vous avez ici des cartes avec des petits logos. Lorsque vous retrouvez ce logo sur vos cartes, ça vous permet en fait de venir améliorer soit votre héros, soit les golems, soit les petites troupailles, soit les fortifications. On y reviendra en temps voulu. Donc voilà pour les 4 types de cartes. Maintenant, les informations. Ici, vous avez le degré d'énergie que la carte vous apporte. Ici, vous avez le degré d'énergie qui est nécessaire pour produire son effet. Systématiquement, le degré d'énergie qu'elle vous apporte est identique au degré d'énergie nécessaire pour effectuer son effet. C'est tout simplement fait pour pas que vous soyez coincé avec une carte et pas pouvoir vous en servir. Par contre, ce degré d'énergie ici, vous pouvez le dépenser pour autre chose que de produire son effet. C'est ce qu'on va commencer à faire. Donc moi, ce que je vais faire dans mon action, c'est utiliser cette carte-là et je ne vais pas la jouer en fait, je vais consommer les 2 points d'énergie qui sont ici. Donc les 2 points d'énergie qui sont ici, je vais défausser la carte et ça va me permettre de créer des troupes. Je vous les ai montré en macro dans le unbox, les troupes, vous avez soit des golems, soit des petites troupes. En l'occurrence, pour construire un golem, il faut 2 points et puis une troupe, c'est 1 point. Donc comme j'ai consommé 2 points, j'ai décidé de produire un golem. Ce golem, je vais venir le poser ici en réserve. Parce que d'abord, je le produis et ensuite, je le déploie sur le plateau qui est devant moi. Je ne peux pas lui donner naissance et puis qu'il apparaisse tout de suite sur le plateau qui est là-bas. Il y a une phase de transition. Il passe d'abord ici, puis ensuite, il va aller sur le plateau là-bas. Donc, pour les 2 points en question, je produis mon golem. Et là, du coup, ça y est, j'ai fait ma première action standard qui est mon action obligatoire. Donc en deuxième action standard, ce que j'ai le droit de faire, c'est développer. Développer, c'est quoi? C'est venir ici et puis j'ai le droit à 2 actions. Soit je développe et donc du coup, je découvre la 4e carte. D'accord? Soit je remplace les 3 premières cartes. C'est-à-dire qu'en fait, je les prends, je les défausse et je mets 3 nouvelles cartes à cet endroit-là. Alors, on va dire, par exemple, que je développe. Et à partir de là, une fois que j'ai développé, j'ai le droit de payer 1 point d'énergie pour prendre une carte, 3 points d'énergie pour prendre 2 cartes ou 5 points d'énergie pour en prendre 3. Donc, en dernière action obligatoire que je suis en droit de faire, c'est méditer. Alors, méditer, qu'est-ce que ça va générer? Ça va déjà me générer 3 points d'énergie. Donc ces 3 points d'énergie, je vais les capitaliser sur mon plateau qui est là. Et donc je vais gagner 1, 2, 3 points d'énergie. Et puis également, en fonction de l'endroit où mes troupes sont déployées, à partir du moment où j'ai des troupes, que ce soit sur du cristal, sur de la rivière, sur de la montagne ou sur de la forêt, je vais avoir des bonus. Ces bonus, ils sont
caractérisée par les petits numéros que l'on voit ici. Vous voyez, là, il y a 2 points de victoire. Là, il y a 1 point d'énergie. Là, il y a 1 point de commandement. Et là, il y a 1 point de fortification. Donc, en fonction des endroits où je suis déployé, eh bien, je vais bénéficier également de ces bonus. Là, en l'occurrence, je n'ai que mon héros qui est placé sur du cristal. Donc, je vais gagner 1 point de commandement. Et ce point de commandement, en fait, il va me permettre de construire ou de déployer des unités. Voilà. Alors, il faut savoir que pour construire un golem, il me faut 2 points de commandement. Par contre, là, j'en ai qu'un seul. Donc, ce que je pourrais très bien faire, c'est décider de me construire un petit bitonio comme celui-ci et de venir le poser dans ma réserve, comme je l'ai fait tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, je l'ai fait en utilisant les points de commandement de la carte que j'ai activé, mais on aurait très bien pu décider de méditer et bénéficier en fait de ce point de commandement. Et au lieu de construire un golem en consommant la carte avec ses 2 points de commandement, et ben juste construire un petit bitonio comme ça et venir le mettre dans sa zone de réserve. Au niveau des actions spéciales, on a le droit d'activer. Alors activer, c'est utiliser l'effet d'une carte accessoire. On a le droit de décharger son artefact pour commencer une bataille. Donc là, je vous rappelle, hein, sur votre carte d'activation qui est ici, vous avez ce qu'on appelle un artefact. Et en fait, si vous le retournez, on dit que vous activez votre artefact. Et du coup, ça vous permet de déclencher une bataille. Vous pouvez également décider de décharger votre artefact pour déplacer en fait une île où se trouve votre héros. Hein, d'accord ? Et à partir de là, on peut également accomplir ce qu'on appelle une harmonisation. Et puis, si votre héros est sur une île où se trouve également son jeton de rencontre, donc là, du coup, il faudrait déplacer mon personnage pour aller rejoindre mon jeton de rencontre, eh bien je vais pouvoir payer de 1 à 6 pour faire des rencontres et venir piocher des cartes d'amélioration qui sont ici. Alors, je vous rappelle que pour venir comme ça rejoindre son pion de rencontre, il faut utiliser le voyage. Que pour voyager, eh bien, il faut payer des points de commandement lorsque vous décidez d'agir. Et lorsque vous décidez d'agir, eh bien, vous allez avoir la possibilité de vous déplacer d'une île à une autre. Donc, pour voyager, je vais dépenser 1 point de commandement. Et par point de commandement dépensé, ce que je vais pouvoir faire, c'est déplacer des troupes. J'ai le droit pour 1 point de commandement, soit de déplacer mon héros, soit de déplacer un golem, soit de déplacer une petite troupaille. Si je veux déplacer 3 petites troupailles, il faudra que je paye 3 points de commandement. Si je veux déplacer un golem, bien qu'il vaille 2, je déplacerai un golem avec 1 point de commandement. Et bien que mon héros vaille 3 en force, avec 1 point de commandement, je vais quand même le déplacer avec 1 seul point de commandement. Par contre, pour me déplacer, soit je me déplace au sein de mon île, donc ça, il n'y a pas de problème, je passe, admettons, ici, des cristaux à la rivière, ça me coûte 1 point de commandement. Je pourrais décider de dire, je vais déplacer mon golem des cristaux à la forêt, ce qui ne serait pas très très bien joué dans cette configuration-là, mais bon. Et puis, je peux décider de déplacer mon petit bitonio et puis de le faire suivre mon héros dans la rivière. Pas de problème. Ce que je peux décider aussi de faire, c'est de partir de mon île et puis d'aller sur l'île qui est juste à côté. Mais alors, pour aller sur l'île qui est juste à côté, il faut que j'aille d'une zone connue, c'est-à-dire la rivière, à une zone connue, la rivière. Alors déjà, je n'ai pas le droit d'aller sur une île qui n'est pas adjacente. C'est-à-dire que je ne peux pas aller sur cette île-là, je ne peux pas aller sur cette île-là. Je peux donc aller sur celle-ci ou sur celle-ci. Donc, je vais payer 1 point de commandement. On est dans une autre phase. Hein. Je vais payer 1 point de commandement et je vais déplacer mon héros de la rivière. Et sur cette île, il va arriver en rivière, du coup. D'accord ? Ça, c'est très important de le maîtriser. C'est-à-dire que je ne peux pas venir le positionner où je veux. Je suis obligé de venir le mettre en rivière parce qu'il vient de la zone rivière. Le petit bitoyo qui est là également, lui, il peut venir se déplacer pour 1 point de commandement en rivière également. Par contre, le golem qui est là, on voit que lui, il est en forêt. Et en forêt, ici, il n'y a pas de forêt.
donc il ne peut pas venir sur cette île-là. Et ici, il n'y a pas de forêt non plus, donc il ne peut pas venir sur cette île-là non plus. S'il veut aller sur cette île-là, eh ben, il va falloir qu'il aille sur une zone qui est présente également là. Donc il va devoir passer en rivière pour un point de commandement, puis basculer ici pour un point de commandement. Et puis sinon, s'il voulait rejoindre ses compagnons, ben, il faudrait qu'il bascule en rivière en premier avec un point de commandement, puis venir ici pour les rejoindre. Donc vous voyez, les choses, elles se jouent vraiment étape par étape. Et il faut vraiment que vous soyez extrêmement sharp sur la façon dont vous allez consommer vos commandements, la façon dont vous allez consommer votre énergie, parce que dans le jeu, tout se paye et c'est vraiment un jeu au long cours où dans la phase d'action, dans la phase où vous décidez d'agir, ben, vous allez jouer des cartes, soit activer la carte avec ses capacités, soit dépenser des points de commandement, ce qui vont vous permettre en fait de payer des mouvements, de payer de la création de troupes, de payer du déploiement de troupes, soit capitaliser ces cartes sur votre plateau de jeu. Il faut savoir que les troupes, elles, n'ont le droit de se déplacer qu'une seule fois, alors que le héros, lui, peut payer autant de points de commandement qu'il veut pour aller se balader. C'est-à-dire que j'aurais pu payer un point de commandement pour déplacer mon héros ici, puis ensuite payer un point de commandement pour le déplacer ici. Et là, du coup, ben, je m'éloignais de deux îles avec seulement deux points de commandement. Seul le héros a le droit de le faire. Le golem, je paye un point de commandement, il a le droit de venir ici. Par contre, je n'ai pas le droit de payer un deuxième point de commandement pour le déplacer une deuxième fois. Je suis obligé d'attendre la fin de mon activation et d'avoir droit à une deuxième activation pour avoir le droit de déplacer mes golems et mes troupes. Alors, on va s'amuser à déclencher une petite bataille, parce que c'est bien gentil, hein, ces petits jeux de cartes, tout ça, là, c'est ces capitalisations de territoire, mais il y a un moment, il faut se foutre sur la gueule. Donc, comment ça se passe? Eh bien, pour pouvoir déclencher une attaque, il faut qu'il y ait deux belligérants sur la même zone d'une île, comme ici, on a Anout et Sanya. Et Anout va décider d'attaquer Sanya, et donc il va prendre sa carte, là, et il va la retourner, déjà. Ça, c'est la première chose. Donc, ça sous-entend qu'il aurait fallu que son cristal soit actif pour avoir le droit de déclencher une attaque. Si son cristal n'est pas actif, il ne peut pas déclencher d'attaque. Donc, en l'occurrence, il décide de faire une bataille et il retourne son cristal. Donc, c'est quand même pas quelque chose que vous allez faire tout le temps, hein, attaquer, puisque c'est une action que vous payez, déjà. Et puis, vous pouvez le faire une fois pendant le round, ben, et puis quand votre cristal est retourné, techniquement, il y a certaines cartes qui vous permettent de le faire gratos, mais là, en l'occurrence, quand vous avez payé votre jeton, vous avez payé votre jeton. On verra qu'à un moment dans la partie, ces jetons se retournent. Ensuite, comment ça va se passer? Ça va se passer avec un pari. Un pari qui va être fait en fonction des couleurs de cartes. Tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre main et vous allez soit parier une carte rouge, soit parier une carte verte, soit parier une carte jaune, soit parier une carte bleue. Ça va définir le comportement que vous allez avoir pendant la bataille. Si vous pariez une carte rouge, vous partez du principe que vous êtes un attaquant. Si vous utilisez une carte bleue, vous êtes un défenseur. Si vous utilisez une carte jaune, vous battez en retraite. Si vous utilisez une carte verte, vous faites un sacrifice. Tout ça, c'est très important de le retenir. C'est d'abord de définir votre attitude. Donc, ce que l'on va faire, c'est que forcément, Anout, il va utiliser une carte rouge puisqu'il n'est pas venu ici pour cueillir des pâquerettes. Il est venu ici pour combattre. Vous avez ici des petits blisters qui vous permettent en fait de mettre votre carte à l'intérieur puisque vous avez tout à fait la possibilité, pendant une bataille, de ne pas jouer de cartes. Vous décidez de ne rien parier. Il faut savoir que la carte que vous pariez, vous allez la perdre, elle va être défaussée. Donc, notre ami Anout va parier sa carte rouge et puis il va venir poser son pari ici. Et puis ensuite, en face, on a Sanya. Et Sanya, elle va également devoir prendre une décision. Donc Sanya, soit elle attaque aussi, elle a le droit de le faire, soit elle bat en retraite, soit elle fait une défense, soit elle fait un sacrifice. Alors,
Admettons, et là maintenant je vais vous expliquer chacun d'entre eux, qu'elle décide de battre en retraite, c'est-à-dire qu'elle parierait une carte jaune. Si elle parie une carte jaune, elle va se référer à la valeur de points qui est ici, qui est de 2, et elle va donc déplacer 2 de ses troupes en dehors du champ de bataille, en l'occurrence elle-même et un petit golem comme ceci. D'accord ? Et à la fin de cette décision, lorsqu'on aura révélé cette carte, on décidera de résoudre le combat en faisant un comparatif des forces en présence. Je vous rappelle qu'un petit bitonio comme ça, ça vaut 1 en force, un héros vaut 3 et un golem vaut 2. Autant vous dire que là, notre petit bitonio en jaune, il est mal parti. Donc ça, c'était pour la fonction retraite. Si elle décide de faire un sacrifice, eh bien si elle décide de faire un sacrifice, elle va gagner autant d'énergie qu'il y a sur la carte, c'est-à-dire 2 énergies, plus 1 point d'énergie par personnage présent, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Elle va gagner 5 points d'énergie. Et ça, quelle que soit l'issue du conflit. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle aura parié ça et qu'elle l'aura révélé, elle va gagner ses points d'énergie. Et puis ensuite, on va résoudre le combat qui est ici. D'accord ? Mais ça n'influe en rien dans la réduction du combat qui est ici. Elle décide de faire ce qu'on appelle un sacrifice. Soit elle fait une défense, et donc là, la défense, ça va lui rapporter également 2 points, mais cette fois-ci pas d'énergie, mais de gloire, plus autant de belligérants présents, c'est-à-dire 3 plus 2, 5 points de gloire. Là également, ça ne lui permet pas totalement de se défendre. Si elle voulait vraiment contrecarrer l'attaque et qu'elle s'estimait plus forte que son belligérant, il faudrait qu'elle parie une carte de combat, et donc à partir de là, sa force va s'additionner à la force qui est présente sur cette carte, et nous allons le voir dès à présent. Admettons qu'elle décide de jouer une carte combat. Alors, elle va parier sa carte combat, bien sûr, l'autre a parié une carte combat. Et donc maintenant, on va résoudre le conflit. Alors, pour résoudre le conflit, elle a 2 en force, plus elle-même qui vaut 3, plus le petit gobelin qui vaut 1, plus le petit bitonio là, qui vaut 1 aussi. Ça fait 3, 4, 5, 6 et 7. Elle a donc 7 en force ici. En face, on a 3 pour le héros, 2 pour le golem et 1 pour le petit gobelin. Ça nous fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on est en supériorité ici. Et donc, du coup, Anous va gagner forcément le combat. On va faire une soustraction. 8 moins 7, 1. Et donc il y a un petit bitonio comme ça qui fait le saut et qui va aller dans la réserve de Sanya. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas totalement détruit. Il est mis en réserve et il peut être de nouveau redéployé. Si Sanya n'avait pas parié de carte de combat, mais qu'elle avait non pas également décidé de fuir, mais décidé de faire soit un sacrifice, soit une défense, elle aurait alors capitalisé autant de points de gloire si elle avait fait une défense ou d'énergie si elle avait fait un sacrifice. Et puis à la fin, on aurait déployé les forces en présence et on aurait eu 3, 4, 5 contre 8. Et 5 contre 8, eh ben, ça fait 3 de différence et donc ça aurait détruit le petit bitonio qui est ici, détruit celui-ci et blessé l'héroïne Sanya. Donc quand elle est blessée, elle, à la différence de ces petits goblinoïdes, ces petits golems, elle n'est pas retirée du plateau, hein, d'accord ? Elle reste sur le plateau. Par contre, en force, elle ne vaut plus que 1 point de force, d'accord ? Et on ne peut plus utiliser son aptitude spéciale, puisqu'il faut savoir que, en fait, sur les cartes, vous avez des aptitudes spéciales. Je ne les ai pas jouées dans ce conflit-là, parce que ça n'aurait rien changé, parce qu'en fait, Anout, il a une capacité spéciale
qui fait que il est vachement plus balèze. Quand il est en combat, il gagne encore plus 2 en attaque. Donc ça devient vraiment, vraiment bourrin. Par contre, j'ai plus que 1 en force, mais je ne peux pas subir plus de dégâts que je n'en ai déjà. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai atteint mon 1 en force, je baisse pas. S'il y a un deuxième conflit qui se déclenche, mon personnage, il vaut 1 en force, mais il ne peut pas être blessé plus que ça. L'amélioration de votre champion donc ne peuvent toujours pas être utilisées même s'il est blessé. Et puis tous les champions blessés sont intégralement soignés au début de la première ère suivante. Hein, c'est-à-dire que dès que vous allez commencer une ère suivante, eh bien tous vos personnages, tous vos héros seront soignés. Alors on va regarder qu'est-ce qui déclenche en fait l'arrivée d'une ère suivante. Donc on l'a vu hein, dans la partie, à chaque fois qu'on passe d'un joueur à un autre, en fait ce qui se passe c'est que le joueur va venir prendre une carte comme ça et il va venir la poser ça, sur la rivière. En le faisant, il va déclarer, il va présenter en fait la valeur, entre guillemets, j'aime bien ce terme, la valeur foncière de la zone en question. Et puis là, on se rend compte que les territoires d'eau valent 2 en points de victoire, les cristaux valent 3, et que de toute évidence, les forêts, dans très peu de temps, vont valoir 4. Et puis on déroule comme ça, au fur et à mesure de la partie, ces cartes. Et à partir du moment où tous les territoires sont sortis, voilà, celui-ci, et puis celui-là, et enfin le dernier, les rochers. Eh bien, la partie se termine. C'est-à-dire que lorsque j'ai sorti les 5 types de territoires différents, la partie se termine. Alors j'ai un peu triché parce que j'ai tiré les cartes dans l'ordre. Déjà, première information, quand on arrive à la sixième pioche, hein, au sixième tirage, ici on a un petit logo qui nous dit que tous les joueurs retournent leur jeton d'activation. Donc ça, c'est quand même fait pour pousser un petit peu à être un peu belligérant, hein, parce que vous êtes censé avoir au moins tous déclenché une bataille, du moins ce serait intéressant d'avoir au moins tous déclenché une bataille avant ce sixième tour, puisque si vous ne l'avez pas fait, vous gâchez un petit peu une de vos activations cristal, puisque lorsque vous avez activé une bataille, vous retournez votre cristal et vous rendez compte qu'au sixième tour, le cristal, hop, il redevient nouveau. Si vous n'avez pas attaqué, vous allez peut-être permettre à vos amis, à vos personnes qui jouent en face, d'attaquer 2 fois. Donc ça, c'est une valeur qui est très 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 importante. Mais ce qu'on a vu également, c'est qu'il y a 2 cartes en plus. Il y a une carte volcan et une carte monstre qui sont présentes dans le deck. Et je peux ne pas avoir eu la chance que j'ai eue dans mon tirage. Et puis, au moment où je devais sortir la cinquième, eh bien, soit tirer par exemple le volcan en cinquième position, soit tirer le monstre. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque je tire le monstre, lorsque je tire le volcan, que ce soit en cinquième, en quatrième, en troisième, en seconde ou en sixième position? On va le voir. Déjà, ça repousse d'autant la fin de l'ère, hein, puisque si je tire cette carte, j'ai pas encore tous mes terrains en présence. Ensuite, en 6, je tire un volcan. J'ai pas toujours pas mes terrains en présence. Donc après seulement, je vais tirer mon rocher. Puis après seulement, je vais tirer ma brume. Donc là, on va avoir une ère qui va durer 8 tours, par exemple. Vous voyez, ça vous donne une idée du temps que peut durer une ère. En plus, il faut savoir qu'aux aires suivantes, on va rajouter à la deuxième ère, on va rajouter cette carte-là, donc qui pourra venir par ici, mais elle pourra venir par là et décaler d'autant la fin de cette ère. Et puis à la troisième ère, on va rajouter cette carte-là qui décalera d'autant la fin de l'ère. Donc plus les aires avancent, plus elles peuvent durer longtemps. Mais c'est totalement aléatoire, hein. Il peut se passer de façon totalement saugrenue le fait que toutes les cartes monstres sortent en dernier et puis que du coup, ces cartes-là, elles restent ici, même si j'ai déjà encore mis en R3 ces 2 cartes ici, et puis avoir une R3 qui se termine au bout du sixième tour. Quoi qu'il en soit, vous vous rendez compte qu'il y a une espèce de plasticité
au niveau de la durée du nerf qui est intéressante, qui peut être aussi un petit peu dommageable. Ça faisait pas trop la maîtrise du temps de votre partie. Donc quoi qu'il en soit, Mystéa, c'est un jeu dont il faut prendre tout de suite la mesure que ben vous allez devoir peut-être jouer pendant plusieurs heures. Et c'est pour ça que je disais One Box que 90-120, oui, minimum, hein, au niveau du temps. Alors attention, on s'accroche. Lorsque je tire la carte du monstre, je vais la positionner dans la timeline. Admettons, je l'ai tiré. Allez, en phase, je vais tricher un petit peu. Tout ça par là, on s'en fiche. Voilà. Hop, je tire le monstre en phase 5. Le monstre n'attaque pas tout de suite. Par contre, ce que vous savez, c'est qu'à la fin de l'ère, le monstre va attaquer. Donc, soit ben, ce que vous avez intérêt à faire, c'est vous barrer de l'île où il y est. Vous avez encore le temps. Vous ne savez pas combien de temps, parce que vous ne savez pas quelles sont. Vous savez que la prochaine carte, ce sera une montagne, donc elle viendra ici. Mais si derrière là, ce n'est pas la brume, le round ne sera pas fini tout de suite. L'ère ne sera pas finie tout de suite. Donc, soit vous décidez de vous barrer, et il va falloir payer très cher pour pouvoir retirer tout ce petit monde. Soit vous faites contre fortune bon cœur et vous dites, bon, bah, c'est là qu'il va y avoir la bataille. Et je vais profiter en fait des activations qui vont venir pour amasser un maximum de troupes ici pour venir combattre le monstre. Et à la fin de l'ère, je vous rappelle que l'ère prend fin quand j'ai posé toutes les cartes qui correspondent au terrain, c'est-à-dire la roche, les montagnes, les brumes, l'eau, les cristaux et la forêt. Donc là, ici, je serai en fin d'ère. Eh bien, à ce moment-là, le monstre va décider d'attaquer. Alors, comment ça se passe quand le monstre attaque? Eh bien, on va regarder sa carte, hein, qui est ici, et on va voir que, en capacité d'attaque, il a 16 en force. Et on va comparer sa force avec toutes les forces en présence. C'est-à-dire que quand un monstre est présent sur le plateau, tout le monde va s'associer pour le combattre. Si c'est pas beau, ça, hein, c'est joli. Donc on a 16 en force ici. Et puis ben là on a 3, 6, 9, puisqu'on a 3 héros, d'accord? 9 plus 2 avec ce premier golem. Donc ça me fait 11. 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc j'ai une valeur qui est égale à la valeur du monstre. On est à 16 contre 16. Du coup, je remporte la bataille. Vous remarquerez une chose, c'est que j'ai volontairement mis un petit gnome rouge ici. Il participe au combat au même titre que les autres, même s'il n'est pas dans la zone de combat de son patron. Si j'avais mis ce petit jaune ici, il aurait comptabilisé aussi. Et puis, bah, on aurait pu imaginer qu'ici, il y ait un petit de notre cher ami le robot CR, et puis que l'héroïne, elle soit dans la même zone. Par exemple, on aurait eu, voilà, vous voyez, le petit. C'est pas un problème. La position des figurines n'a pas d'influence dans la résolution du combat. Par contre, elle a une influence si vous perdez. Admettons qu'on en ait eu juste, allez, un de moins, eh ben on perdait, hein, puisqu'on avait 15 points contre 16. Et à partir du moment où vous perdez, chaque représentant doit définir une zone où il retire ses troupes. C'est-à-dire que ben, du coup, ben, Sanya, elle va décider sans aucun doute de retirer ses troupes d'ici. Donc elle va perdre juste un petit goignol comme ça, jaune, qu'elle va aller mettre dans sa zone de réserve, je vous rappelle. CR, ben, lui, soit il retire le petit bitonio là, et du coup il se blesse, pas intéressant, il va retirer celui-ci. Donc il va aller également le mettre dans sa zone de réserve. Par contre, ben, pas de bol, hein, notre ami qui est ici, Anoud, ben, il va devoir lui également retirer ses troupes. Et donc, ben, du coup, ben, il va retirer son golem. Et puis, ben, il va également subir une blessure. Donc, je vous rappelle que subir une blessure, c'est très désavantageux parce que votre personnage, eh bien, il ne vaut plus que 1 en force et vous ne pouvez plus utiliser sa capacité spéciale lors du combat. Ce qui est important également de noter,
c'est que si vous remportez le combat, vous allez remporter des points de gloire. Donc sur la carte, il y a des points de gloire or, argent et bronze. Donc c'est dans l'ordre de présence. C'est-à-dire que ici, on a Anout qui venait avec un golem et un petit gougnoul. Donc ça lui fait 3, 4, 5, 6 en force. Donc c'est quand même pas mal. Ici, on a le robot qui venait avec 3, 4 et 5. Et puis, on a Sanya qui venait avec 3 et puis 5. Donc, celui qui remportera le prix en or, c'est Anout. Et puis ensuite, eh bien, vous allez décider de qui remporte le prix en argent et qui remporte le prix en bronze. Et celui qui va, s'il y a égalité, celui qui va toucher la récompense argent, c'est celui qui, au niveau de l'artefact, a le degré d'activation le plus court. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, Sanya jouait en 3 alors que CR jouait en 2. Donc c'est Sanya qui prendra la récompense argent et c'est CR qui prendra la récompense en bronze parce qu'on part du principe que tout au long de la partie, elle a été plus désavantagée de jouer en 3e. Et donc, c'est normal qu'à l'échéance de cette première partie, elle soit récompensée si elle a participé à une bataille. Alors, ce que l'on fait également dans la partie, à la fin d'une ère, c'est-à-dire lorsque toutes les cartes des territoires se sont présentées, c'est de mettre fin à l'ère. Et on l'a vu, il y a un combat contre le monstre, mais il y a également un moment où on doit comptabiliser les points. Et pour comptabiliser les points, il faut être majoritaire sur une zone. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est on va regarder comme ça les zones. On va regarder la rivière et on va dire, pour la rivière, elle vaut 2 points de victoire. Ok, sur cette île-là, personne ne tient de zone rivière. C'est fini. Sur cette zone-là, on a bien rivière et on a CR qui est tout seul dedans avec un de ses petits goyoyo. Donc du coup, il a forcément cette zone. Et donc, il va marquer 2 points de victoire puisque c'est la valeur, entre guillemets, foncière des rivières. Et puis ici, Sanya, elle a posé un de ses petits soldats en rivière. Il est tout seul également. Et donc, il va lui aussi remporter 2 points de victoire. Maintenant, on va passer aux cristaux qui, eux, en rapportent 3. Alors, qui est majoritaire sur les cristaux? On voit que Anout, il a un golem sur les cristaux et qu'il est tout seul, donc il remporte 3 points de victoire. Et puis on voit que Sanya, elle a également un petit soldat en cristal et elle y est tout seul, donc il rapporte 3 points de victoire. On va aller voir les forêts. Forêt, le seul endroit où il y a de la forêt, où il y a une figurine, c'est là, c'est pour Anout. Du coup, il va remporter 4 points de victoire, ça n'est pas contesté. On va aller voir les montagnes qui valent 6. On a un personnage ici de CR qui n'est pas contesté. Il rapportera 6 points de victoire également. Et puis enfin, on va aller voir les brumes qui, elles, valent 7 points. Et on se rend compte qu'on a Sanya qui est présente, mais il y a également 2 soldats de Anout qui sont présents, mais pas de chance. Ces soldats valent 2 points, elle en vaut 3. Donc, les 7 points sont pour elle. Du coup, le calcul est simple. Sanya, elle va mettre 7 points plus 3 points plus 2 points. Donc, elle va mettre 7, 10, 12 points en tout. Alors que Anout, lui, il va marquer 4 points avec sa forêt et puis il va marquer 3 points avec ses cristaux. Ça va lui faire 7 points, alors qu'il avait 2 figurines là-bas qui étaient parties un petit peu à l'aventure, mais il ne gagnera que 7 points. Et puis, pour CR, lui, il va avoir 2 points pour être présent en rivière, mais il va quand même avoir 6 points pour être présent en montagne. Ça va lui faire également 7 points dans son escarcelle, 8 points. Ça va lui faire du coup 8 points dans son escarcelle. Et donc du coup, vous voyez, il est parti beaucoup moins loin. Au début, il a quand même une ressource qui ne vaut pas beaucoup, mais il a réussi à avoir une ressource qui, elle, en vaut beaucoup. Et donc, il va battre
Hanout pour ce tour, qui lui a été beaucoup plus déployé, mais c'est pas forcément déployé sur les zones qui remportaient des points, hein, qui avaient une valeur foncière élevée, et puis également sur des zones où il a été contesté et du coup il a perdu. Je termine cette présentation avec les rencontres. Je vous ai parlé des rencontres comme étant une des actions facultatives que vous pouviez faire. Vous avez le droit de payer en fait en points d'expérience, hein, qui sont des points qui sont assez difficiles à obtenir, hein, puisque vous avez des points d'énergie qui se gagnent avec les cartes et puis des points d'expérience qui se gagnent un petit peu plus difficilement, notamment par l'intermédiaire d'un jeu de cartes ou de récompenses de bataille. Quoi qu'il en soit, vous payez donc votre expérience et si, à la première rencontre, vous payez un point d'expérience, la deuxième rencontre vous en coûtera 2, la troisième 3, la quatrième 4, la cinquième 5 et la sixième 6 points d'expérience. Vous n'avez le droit de faire par partie que 6 rencontres. Si vous décidez de donc payer ces points pour faire des rencontres, eh bien vous allez aller piocher une carte ici, hein, sur le plateau des rencontres, et vous allez marquer immédiatement le nombre de points de victoire qui sont associés à la carte. Donc c'est intéressant. Et puis également, vous avez un logo, deux logos, vous avez deux logos sur la carte, vous en choisissez un, et quand vous retournez la carte, eh bien, vous produisez l'effet que vous donne cette carte. Alors, soit vous le faites comme ça en aveugle, soit vous retournez, vous choisissez, c'est à vous de vous mettre d'accord au niveau de la partie. Au moment où vous commencez la partie, vous vous mettez d'accord entre vous. Donc, en l'occurrence, cette carte-là, elle m'aurait ajouté un soldat et un golem. Et puis sinon, bah, j'avais un autre effet qui me rapportait de la gloire fois autant de zones de cristal que je maîtrisais. Donc voilà, ça, ce sont les cartes de rencontre dont je vous avais parlé au niveau des actions, dont je rappelle que ce sont des actions qui ne sont pas obligatoires. Voilà, Mystéa, c'est voilà, quelque chose de très ambitieux, hein. Je pense qu'on peut le dire, c'est un jeu qui est extrêmement large. Déjà, graphiquement, c'est très très beau. Je suis conquis, chaque fois que je sors les figurines, à chaque fois que je me promène dans les cartes, le caractère design est magnifique, l'expérience de jeu est magnifique. C'est un jeu qui vous emmène en voyage. Vraiment, vous partez dans une aventure et il y a tellement de possibilités d'appréhender en fait une action, hein, d'appréhender un tour de jeu que on a vraiment, vraiment, vraiment un sentiment d'immersion que j'ai rarement rencontré. C'est un jeu qui était compliqué à présenter, mais ce n'est pas un jeu qui est compliqué à jouer, hein, je tiens vraiment, vraiment à le dire. Il y a tellement de possibilités que chaque personne, chaque esprit, chaque façon de jouer se retrouve. Vous pouvez être agressif, vous pouvez être défensif, vous pouvez être calculateur. Il y a de la place pour tout le monde dans ce jeu et je trouve ça vraiment génial d'avoir réussi un tel équilibre. Comme l'a si bien dit Monsieur Fall dans une de ses dernières vidéos, il faut faire de la matière grise, hein, avec ce truc-là, il faut le faire bosser. Et franchement, bah voilà, Mystéa, c'est totalement un jeu qui s'y prête. Vous allez pouvoir bosser un petit peu votre matière grise. Et puis, ne s'inquiétez pas, ça fait énormément de bien. Et voilà, et il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis aussi ben, de bons tirages, puisqu'il n'y a pas de dés dans ce jeu-là. Pas parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et puis, ben, moi, je pars vers de nouvelles aventures pour un nouveau jeu de plateau, de figurines. On verra bien. Allez, à très vite. Ciao !